Bonjour à tous, amis cinéphiles, ici Yann Ritter et bienvenue dans le cinéma avec un grand A. Nous reprendrons les cérémoniales consacrées de l'émission la prochaine fois. Pour l'heure, je vous propose une interro surprise. Bah, tu vas pas partir sans dire au revoir à papa? Bon, ça vaut peut-être mieux comme ça. Embrasse ta sœur et dis-lui bien que je lui en veux pas. Quand tu devrais. Tu le feras. Et sois gentil avec elle. Les fans l'auront reconnu, c'était un extrait de Plus belle la vie, revenant sur le départ du personnage de François Marcy de la série. Mais rassurez-vous, le sujet du jour n'est pas le feuilleton de France 3. Non, pas de pouvoir. Autrefois, oui. Enfin, j'ai prétendu que j'avais des pouvoirs. Mais on sait que ça n'existe pas, tout ça. Ouais, c'est quoi votre truc, alors? Vous jouez à Shifumi? J'ai joué. On fait une partie? Oui, c'était bien notre mentaliste préféré Simon Baker, et c'était surtout la même voix, celle du comédien Thierry Ragnaud. Mais Ragnaud, dans les 90s, c'était plutôt ça. Est-ce que l'un d'entre vous a un semblant d'information concrète à me soumettre? J'ai chopé une déferlante d'enfer ce matin, chef. Oui, la première VF de Keanu Reeves jouait dans Plus belle la vie, comme quoi. Mais aujourd'hui, autant vous dire qu'on va speeder, car on a un sérieux problème. Il y a une bombe dans le bus. Si le bus ralentit, elle explose. Si quelqu'un essaie de descendre, elle explose. Génial. Chaque semaine, retrouvez le cinéma avec un grand A sur Cinéma Radio. À toi de choisir. Je t'exploserai moi-même la cervelle. Votre bouche est trop près de votre rondelle. Pauvre crétin. Mais tu vas faire quoi, hein? Vous mourrez avant d'avoir pu recharger. Portrait d'acteur et de réalisateur. Actu des séries. Après séance. Musique au cinéma. Top et flop. Petit secret entre cinéphiles. Le cinéma, avec un grand A, vous ouvre les portes des plus belles salles obscures sur Cinéma Radio et sur le www.lecinemaavecungranda.com. Speed donc, de Yann De Bont, sorti en 1994. Comme une sorte d'aboutissement de la carrière pour le directeur photo qui était De Bont, notamment sur Piège de Cristal, Speed est un film d'action hyper dynamique, digne héritier de Die Hard et de L'Arme Fatale à la fois. On y suit un policier de la brigade de déminage de Los Angeles, Jack Traven, qui on peut le dire n'a vraiment, mais alors vraiment pas de bol. En effet, après avoir fait échouer les plans d'un poseur de bombes détraqué, Traven se fait prendre en grippe par ce dernier, bien décidé à se venger. C'est de moi qu'on parle, de moi et de mon fric. Il s'agit de mon pognon qui m'est dû à moi, et que j'ai l'intention de toucher. $3,700,000, Jack. Mon petit pécule de vieillesse. Quand t'auras mon âge, tu comprendras. Quand je t'aurai retrouvé, Interro surprise, super flic. Il y a une bombe dans un bus. Tu dépasses les 50 miles à l'heure, la bombe est amorcée. Ni une ni deux, Traven fonce sur la voie rapide rattraper le bus, prêt à tout pour sauver les passagers. Et après avoir eu un mal fou à monter dans le bus... Ouvrez! Arrêtez-vous! Ne laissez pas monter! Police, ouvrez! Arrêtez ce bus! Il prend contact avec son coéquipier Harry Temple et la situation ne s'arrange pas. Mais alors, pas du tout. Le chauffeur se fait flinguer par un délinquant et Jack est obligé de confier le volant à une passagère qui, on peut le dire, a un sang-froid sans faille. Alors, vous êtes de la police? Exact. Voilà. Si je prends le bus, c'est qu'on m'a retiré le permis de conduire jusqu'à l'année prochaine. Quel motif? Excès de vitesse. Malheureusement pour Traven, il n'est pas au bout de sa surprise. Le terroriste le surveille constamment par le biais de la télé, qui couvre l'événement en direct avec des hélicoptères. Et quand l'autoroute dégagée pour le bus piégé se révèle inachevée... Chef! On a un sérieux problème! Lequel? L'autoroute n'est pas terminée! Vous vous foutez de moi, j'espère! Les hélicos signalent qu'il y a un segment qui va entrer dans 4 ou 5 kilomètres! Le feu d'artifice ne fait que commencer. Extrait de la BO composée par Mark Mancina. Keanu Reeves, malgré son physique et son image un peu à contre-emploi pour ce genre de rôle, tire vraiment son épingle du jeu. Il est dynamique, fait la plupart de ses cascades lui-même, et ne manque pas de nous surprendre. Interro surprise. Un aéroport, un homme armé, un otage. Il s'en sert pour se couvrir, il est pratiquement dans l'avion. Tu as 30 mètres. Jack? Je flingue l'otage. Quoi?
Alors, je sais pas vous, mais moi, si un jour je me retrouve dans un bus piégé, je rêverais de m'y trouver avec Sandra Bullock. Elle est drôle, bavarde, et je savais pas que c'était si simple. 50 miles à l'heure, la bombe est amorcée. Ni une ni deux, Traven fonce sur la voie rapide rattraper le bus, prêt à tout pour sauver les passagers. Et après avoir eu un mal fou à monter dans le bus... Ouvrez ! Arrêtez-vous ! Ne laissez pas monter ! Police, ouvrez ! Arrêtez ce bus ! Il prend contact avec son coéquipier Harry Temple, et la situation ne s'arrange pas. Mais alors ? Pas du tout. Le chauffeur se fait flinguer par un délinquant et Jack est obligé de confier le volant à une passagère qui, on peut le dire, a un sang-froid sans faille. Laure, vous êtes de la police ? Exact. Voilà. Si je prends le bus, c'est qu'on m'a retiré le permis de conduire jusqu'à l'année prochaine. Quel motif ? Avec cette vitesse. Malheureusement pour Traven, il n'est pas au bout de ses surprises. Le terroriste le surveille constamment par le biais de la télé qui couvre l'événement en direct avec des hélicoptères. Et quand l'autoroute dégagée pour le bus piégé se révèle inachevée, Chef, on a un sérieux problème. Lequel? L'autoroute n'est pas terminée. Vous vous foutez de moi, j'espère. Les hélicos signalent qu'il y a un segment qui monte dans 4 ou 5 kilomètres. Le feu d'artifice ne fait que commencer. Extrait de la BO composée par Mark Mancina. Keanu Reeves, malgré son physique et son image un peu à contre-emploi pour ce genre de rôle, tire vraiment son épingle du jeu. Il est dynamique, fait la plupart de ses cascades lui-même, et ne manque pas de nous surprendre. Interro surprise. Un aéroport, un homme armé, un otage. Il s'en sert pour se couvrir, il est pratiquement dans l'avion. Tu as 30 mètres. Jack. Je flingue l'otage. Quoi ? Alors, je sais pas vous, mais moi, si un jour je me retrouve dans un bus piégé, je rêverais de m'y trouver avec Sandra Bullock. Elle est drôle, bavarde, et je savais pas que c'était si simple de conduire un bus, moi. Pouvez-vous conduire ce bus ? Oui, c'est un caddie de supermarché en plus gros, quoi. Il faut que je sache, pouvez-vous conduire ce bus ? Ça va, dites-moi ce qu'on fait. La légende Dennis Hopper est aussi de la partie, et on peut dire qu'en méchant, il prend son pied. Il est froid, mais assez déconneur et léger. On sent bien que pour Hopper, ce film est plus une partie de franche rigolade qu'une vraie performance. Mais même dans cet état d'esprit, il excelle et rend crédible ce personnage peut-être pas si bourrin que ça. Quelle aventure palpitante, Jack. Ça sentait le roussi pendant un moment. Mais tu t'en es sorti avec les honneurs. Tu veux quoi ? Je veux mon argent. Ce serait bien si je pouvais invoquer une cause admirable, mais en termes de motivation, tout ce que j'ai, c'est le pognon. Donc, des billets de 50. Et au-dessus, avec des numéros qui ne se suivent pas, dans deux sacs plastiques transparents et non marqués. Pour le reste de la distribution principale, on retrouve Joe Mortons, le Miles Dyson de Terminator 2 en chef de la police, et bien sûr Jeff Daniels en coéquipier posé, et qui tente tant bien que mal de rattraper les dérapages pas toujours très contrôlés de Traven. On l'a eu, on a gagné. Jamais tu m'écoutes. Tu devrais m'écouter parce que je vais plus être là pour te couvrir les miches. T'as intérêt à gamberger, petit. Les couilles, ça va un moment. Ensuite, elles te coûtent la vie. A noter la présence d'Alan Ruck, futur Stuart Bandeg de Spin City, parmi les passagers du bus. Ni sa part. Cette journée n'a pas été à la hauteur des espoirs que j'avais placés en elle. C'était Yann Ritter pour le cinéma avec un grand A. On se retrouve dans deux semaines. Oui, les vacances, c'est pas... Encore plus ! Oh, et puis vous verrez bien. Chaque semaine, retrouvez le cinéma avec un grand A sur Cinéma Radio. À toi de choisir. Je t'exploserai moi-même le cerveau. Votre bouche est trop près de votre rondelle. Pauvre crétin. Mais tu vas faire quoi, hein ? Vous mourrez avant d'avoir pu recharger. Portrait d'acteur et de réalisateur. Actu des séries. Après séance. Musique au cinéma. Top et flop. Petit secret entre cinéphiles. Le cinéma, avec un grand A, vous ouvre les portes des plus belles salles obscures sur Cinéma Radio et sur le www.lecinemaavecungrandA.com.